sur David Davidis, sur le spectacle, et sur l'histoire de Marco Polo. Et en même temps, puisqu'il s'agit de guide, je servirai de guide dans les quelques rues que nous allons emprunter pour nous rendre au rendez-vous de Marco Polo de Kublai Khan. Il n'est pas dit que Kublai Khan croit à tout ce que lui raconte Marco Polo quand il lui raconte les villes qu'il a visitées dans le cours de ses ambassades. En tout cas, l'empereur des Tartares, puisqu'il s'agit bien de Kublai Khan, croit davantage le jeune Vénitien qu'aucun de ses envoyés ou explorateurs. Les villes invisibles se présentent comme un dialogue entre deux hommes, dont l'un, Marco Polo, aurait visité, traversé des villes au cours de ses innombrables périples. Il faut savoir qu'aucune ville n'est vraiment reconnaissable. Aucune ville n'existe vraiment. Toutes ces cités sont inventées. Et Italo Calvino a voulu que chacune de ces villes porte un nom de femme. Le spectacle est construit sur l'évocation de ces villes au travers du dialogue entre deux hommes et parfois illustré, représenté de manière plus elliptique par les personnages féminins qui vont se croiser tout au long du spectacle. Voilà. Alors, l'œuvre de Calvino, enfin ce texte-là, est d'une grande complexité. Nous avons fait le choix de certains passages en essayant de respecter, comme je le disais à certains, l'esprit du texte et en même temps de donner une forme théâtrale qui soit recevable dans l'espace dans lequel vous allez le voir, l'espace et dans le temps. Voilà, si vous voulez me suivre, nous allons commencer notre petit voyage pour nous rendre auprès de ces deux personnages qui sont en train d'échanger.
tracés par les essieux des chariots qui passaient et qui ont marqué le rocher. Cette rue a été creusée plus tard et le niveau actuel n'est pas le niveau qui existait au Moyen-Âge. Et vous voyez ce dos d'âne par lequel il fallait passer pour aller de la place, enfin, qui n'existait pas, vers la place Saint-Pierre, plus bas. Trace du passé, trace du Moyen-Âge, marquée dans le rocher. Tiens, elle est là. Thank you.
Moyen Âge, quartier des Fusteries. Nous sommes ici dans la rue de la Grande Fusterie. Les fustiers, c'est les marchands de bois et les charpentiers. Au Moyen Âge, cette profession était très importante et un règlement qui date de 1246 fixe le fonctionnement de cette corporation. Je vais vous montrer dans la rue des maisons qui sont très, très anciennes. Nous sommes passés en arrivant dans la rue de la Balance, peut-être avez-vous vu le nom. C'était au Moyen Âge la grande rue d'Avignon. Vous voyez, ça, il y a beaucoup d'immeubles qui ont été immeubles modernes. Il y a des immeubles très anciens qui ont été détruits parce qu'ils étaient insalubres. Alors dans cette rue, certains bâtiments sont anciens. Je vais vous les montrer. Échapper à la morsure des termites. C'est une des obsessions de Kublai Khan. Comment faire en sorte que des choses résistent au temps et se maintiennent malgré la disparition. Numéro 29, l'hôtellerie du Chapeau Rouge, mentionnée en 1376. Vous observerez la façade gothique avec encore bâillement. Ce qui est intéressant, c'est dans ce bâtiment, c'est le fait que quand on passe, sans lever la tête, on ne voit rien. Et il faut regarder ces détails pour s'apercevoir qu'il y a des choses anciennes comme ça, qui sont présentes encore. Les villes gardent des traces invisibles et qui, à un certain moment, apparaissent. Et à d'autres moments se cache en fonction de la lumière, du regard. Si vous voulez me suivre. Je voudrais faire deux éléments avant de vous amener. Vous viserez au. En partant de là, et en allant 3 jours vers le levant, l'homme se trouve à Diomira, une ville avec 60 coupoles d'argent, des rues pavées d'étain,
des statues en bronze de tous les dieux. Un théâtre en cristal. Un campana qui chante chaque matin sur une tour. Toutes ces merveilles, le voyageur les connaît déjà, pour les avoir vues dans d'autres villes. Mais le propre de celle-ci est que si l'on y arrive un soir de septembre, quand les jours raccourcissent et que les lampes multicolores s'allument toutes ensemble aux portes des fruiteries, et que d'une terrasse, une voix de femme crie on en vient à envier ceux qui, à l'heure présente, pensent qu'ils ont vécu une soirée pareille et qu'ils ont été cette fois-là heureux. Vient à l'homme qui chevauche longtemps au travers de terrains sauvages le désir d'une ville. Pour finir, il arrive à Isidora. Une ville où les palais ont des escaliers en colimaçon incrustés de coquillages marins. Où l'on fabrique lunettes et violons dans les règles de l'art. Où lorsqu'un homme hésite entre deux femmes, il en rencontre toujours une troisième. Où les combats de coqs dégénèrent en rixes sanglantes mettant aux prises les parieurs. C'est à tout cela qu'il songeait lorsqu'il avait le désir d'une ville. Isidora est donc la ville de ses rêves. À une différence près. Dans son rêve, la ville le comprenait lui-même jeune. Il arrive à Isidora à un âge avancé. Il y a sur la place le petit mur des vieux qui regarde passer la jeunesse. Lui-même y est assis parmi les autres. Les désirs sont déjà des souvenirs. On peut parler de deux façons de la ville de Dorothée. Dire que quatre tours d'aluminium s'élèvent de ses murs, que quatre canaux traversent la ville, la divisant en neuf quartiers, chacun de 300 maisons et 700 cheminées. Que les filles la mariée d'un quartier épousent les jeunes gens d'un autre quartier. Que les familles échangent entre elles les marchandises que chacune possède, à l'exclusion de tout autre. Bergamote, œuf d'espion, astrolabe, améthyste. Et tâchez sur la base de ces données de calculer tout ce qu'on voudra de la ville touchant le passé, le présent, l'avenir, ou bien... Comme le chamelier qui me conduisit là-bas, j'y arrivais un matin dans la première jeunesse. Beaucoup de monde se dirigeait vivement dans les rues vers le marché. Les femmes avaient de belles dents et vous regardaient droit dans les yeux. Trois soldats sur une estrade jouaient de la clarinette et partout autour tournaient les roues et flottaient au vent les affiches peintes. Jusque-là, je n'avais contemplé que le désert et les pistes des caravanes. Ce matin-là, à Dorothée, je compris qu'il n'y avait rien de la vie qui ne m'attendit. Dans la suite des années, mes yeux sont retournés contempler le désert et les pistes des caravanes. Mais je sais maintenant qu'il ne s'agit là d'une des si nombreuses voies qui s'ouvraient devant moi ce matin-là, à Dorothée. Tu reviens de pays autrement lointains et tout ce que tu sais me dire, ce sont les pensées qui viennent à celui qui prend le frais le soir, assis sur le seuil de sa maison. À quoi te sert alors de tellement voyager ? C'est le soir, nous sommes assis sur le grand escalier de ton palais.
Il souffle un peu de vent. Quel que soit le pays que mes paroles évoquent autour de toi, tu le verras d'un observatoire situé comme le tien. Même si à la place du palais impérial, il s'agit d'un village sur pilotis, ou si la brise apporte l'odeur d'un estuaire fangeux. Mon regard est celui de quelqu'un absorbé dans ses pensées et qui médite, j'en conviens. Mais le tien, tu traverses des chaînes de montagnes, des archipels, des toundras. Ce serait aussi bien si tu ne bougeais pas d'ici. Plus tu te perds dans les quartiers inconnus des villes lointaines, mieux tu comprends les autres villes que tu as déjà traversées, jusqu'au lieu familier de ton enfance. L'ailleurs est un miroir en négatif. Le voyageur y reconnaît le peu qui lui appartient et découvre tout ce qu'il n'a pas eu et n'aura pas. Observe bien. Voici Morilla telle qu'on la voit sur des cartes postales. Si tu te rends à Morilla, il convient, pour ne pas décevoir les gens que tu croises, de faire l'éloge de leur ville telle qu'elle est sur des cartes postales et de la préférer à celle de la présence. Tu dois cependant reconnaître que la magnificence et la prospérité de Morilla, maintenant qu'elle est devenue une métropole. Une métropole. Que cette magnificence et cette prospérité ne compensent en rien une certaine grâce perdue. Laquelle grâce ne peut se goûter qu'à présent que sur des cartes postales. Alors qu'auparavant, avec la Morilla provinciale sous les yeux, on ne voyait à vrai dire rien de cette grâce. Et la métropole a cet attrait supplémentaire. À travers ce qu'elle est devenue, on peut repenser avec nostalgie à ce qu'elle était. L'idée carte postale ne représente pas Morilla, mais une autre ville qui par hasard s'appelait aussi Morilla. Observe bien. Pomme de pin de pagode, mansarde des granges, jardin tas d'immondices, palais des princes, maison des grands prêtres, auberge, prison, bas-fond. Ici et là, encore ici et encore là. Peut dormir à l'occasion, faire bonne cuisine, fabriquer des outils, accumuler vraiment pièces d'or, se déshabiller, vendre, interroger oracle. N'importe quel toit pyramidal pourrait aussi bien couvrir Lazare des lépreux que Thermes des jolies odalisques. Voyageur tourne en rond. Catégorie mentale mélangée. Azoé. Existence indivisible. Quelle ligne sépare le dedans du dehors. Grondement des roues. Hurlement des loups. Toi. Bien observé encore, attentif. Zénobie, reposé sur très haut pilotis, avec maisons de bambou et de zinc, galeries et balcons perchés sur des hauteurs différentes, comme sur des échasses-pierres. Passerelles, échasses, poulies, girouettes, canne à pêche, grues. Quel désir pousse fondateur de Zenobie à donner cette forme à Dieu, hein? Si tu interroges habitant, parle de Zenobie, hein? Pas savoir. Pas savoir. Si.
savoir que l'île continue à donner forme à des îles. Et que l'île aussi efface des îles. Ou effacée par des îles. Alors, voilà. De maintenant, ce sera moi qui décrirai les villes. Et toi, dans tes voyages, tu vérifieras si elles existent et si elles sont bien telles que je les aurais pensées. Les villes, comme les rêves, sont faites de désirs et de peurs. Même si le fil de leur discours est secret, leurs règles absurdes, leurs perspectives trompeuses. Et chaque chose peut en cacher une autre. Thank you.
ville inconnue. Je suis parti à la recherche de cette ville. Moi aussi, cette femme m'est apparue ensemble. C'est pour ça que je suis venu ici, pour la retrouver. Dans chacun de nos rêves, elle nous échappait. Mais la retraite! Nous avons fait de telle sorte cette fois-ci. Elle ne puisse plus nous échapper. Mais cette femme ne nous est jamais réapparue. Ni en songe, ni à l'été de veille. D'autres hommes arrivèrent d'autres pays, ayant fait un rêve semblable au nôtre. Mais maintenant, nous ne comprenons plus ce qui attire dans cette ville, sans grâce, dans cette souricière. Doit affronter celui qui voyage dans des terres lointaines. Aucun égal celui qui l'attend dans la ville d'Hypasi. Parce qu'il ne touche pas aux mots, mais aux choses. Qui entre un matin dans Hypasi, un jardin de magnolia se reflète dans une lagune bleue, qui avance assurée de découvrir de belles et jeunes dames au bas. Mais au fond de l'eau, des crabes mangent les yeux des suicidés, la corde au cou et les cheveux verdis par les algues. Tu te sens frustré et tu veux aller appeler à la justice du Shinpon. Mais tu te perds à l'intérieur de son palais. Tu croises des esclaves enchaînés qui remontent des rochers de basalte d'une carrière souterraine. Un adolescent qui fume de l'opium. Il te faut le secours d'un sage pour te tirer de l'angoisse dans laquelle tu te trouves. Le philosophe te dit, les filles sont une langue, mais pas celle que tu crois connaître. Tu comprends alors que tu dois te libérer d'une image qui jusque-là avait annoncé des choses que tu cherches. Seulement alors, tu commences à comprendre le langage du vas-y. À présent, il suffit que tu entendes le hennissement d'un cheval ou le claquement d'un fouet pour que tu sois pris d'un tremblement amoureux. Hypasi, tu dois rentrer dans les manèges et les écuries et voir les belles femmes qui vont danser toutes nues. Jean-Pierre de Monet. Et un jeune étranger s'approche-t-il qu'elle le renverse dans le poing, dans la figure, en le pressant ferme contre leur feuilleton. Et si ton âme ne cherche d'autre nourriture et stimulant que la musique. Tu sais qu'il faut la chercher dans les cimetières. Si ton seul désir n'est que de repartir, tu sais que tu ne devras pas descendre au port, mais gravir le clocheton le plus haut de la forteresse et attendre qu'un navire passe là-haut. Il
Il n'y a pas de langage sans piège. Thank you.
ville n'existe pas. Peut-être n'ont-elles jamais existé. En tout cas, elles n'existeront plus dans l'avenir. Pourquoi t'amuses-tu avec des femmes consolantes? Je sais bien que mon empire pourrit, comme un cadavre dans un marais dont l'infection empeste. Pourquoi mens-tu à l'empereur des Tartares, étranger? Oui, l'empire est malade. Et ce qui est pire, il essaie de s'habituer à ses plaies. Nul ne sait mieux que toi, sage Kublai, qu'il ne faut jamais confondre la ville et le discours qu'il a décrit. Et pourtant, entre la ville et le discours, il y a un rapport. Si je te décris Olivia, ville riche de failles d'Argentelle, de girandoles, de Zeno, tu comprends tout de suite comment Olivia est enveloppée d'un nuage de suie et de graisse qui s'attaque aux murs des maisons, que, dans les cohues, les remords en manœuvrant, écrasent les piétons contre le mur. Si je dois te parler de l'activité des habitants, des boutiques, des celliers, des femmes qui finissent en bavardant, dis-moi que ces paroles évoquent dans ta conscience éclairée. C'est celle du geste qui accompagne le mandrin contre les dents de la fraise, répété des milliers de fois. Ce que tu ignores, c'est que pour te parler d'Olivia, je ne saurais tenir un autre discours. S'il s'agissait véritablement d'une Olivia, de fenêtres d'ameneaux, de tisseurs de tapis, mais ce serait un misérable trou noir de mouche que je devrais te décrire. Le mensonge n'est pas dans le discours, mais dans les choses. La ville de Sophronia est composée de deux moitiés de ville. L'une des moitiés est une ville foraine avec Malais, Gravis, et puis l'or avec ses motocyclistes, la tête en bas, et toutes les pointilles. L'autre est une ville en marbre et en ciment. L'une des moitiés est fixe, l'autre provisoire. Mais pas comme tu l'imagines. Quand le terme de la halte est arrivé, il a des clous, la démonte, pour la transporter sur les terrains vagues d'une autre moitié de ville. C'est la ville de ciment qui part. Il démonte la banque, les usines, les écoles, les abattoirs et tout le reste. Et ce sont les tirs à la cible. Les manèges, le grand rite, qui reste et qui attendent qu'une vie complète recommence. Les vies que j'imagine diffèrent toujours des tiennes. Pourtant, j'ai moi aussi conçu en esprit un modèle de ville à partir duquel déduire toutes les villes possibles. Il contient tout ce qui répond à la norme. Comme toutes les villes qui existent s'écartent à un degré divers de la norme, il me suffit de prévoir toutes les exceptions à la norme et d'en calculer les combinaisons les plus probables. Je vais te raconter ce que j'ai rêvé cette nuit. Au milieu d'un terrain jaune et plat, parsemé de météorites et de blocs erratiques,
On voyait de loin s'élever les villes, les flèches des villes, au clocheton léger, fait de telle sorte que la lune, au cours de son voyage, pouvait se poser tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, ou bien encore rester suspendue, accrochée au câble du côté. La ville que tu as rêvée, c'est la Lage. Ses habitants disposaient des indices à la hâte dans le ciel nocturne pour permettre à toute chose de grandir et grandir à nouveau sans fin. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. La lune, en signe de reconnaissance, a donné à la ville de la Lage un privilège rare, celui de croître en légèreté. Io se mi preso stato un lotterone! Io! Io se mi preso stato un lotterone! Lo spogliento! Lo serratore delle tacche! Poco ne ha a chi vecchino, io! Che non so arreno a male, frugne alle truppe d'aversa, pulezze ad aspettare! Voi? Certo! Avec été parté corsé, grande fille. Di questo cuore che tanto vi adora. Io vi parlo con tutto il senno. Ma contare di un innocente. Ma quella pena d'altra me ne è grossa. A voi mi corro. Oh mia dea. Più non fate per me. Che aspetto? Io sono donna gentile, donna galante. Que n'hai pietà io niego a chi la chiede? Contratto di mercato o di mercede? Il fo bottega aperta a ogni amante. Ascoltate i sensi più sinceri del mio cuore. E che io non parlo, sono muto. Mi basta, non siate sordo? Mi struggo per lui, lui che non lo sa. Seguo, lui che non ne pensa. Oh, adoro, mamma, adoro! Ma no, affretta, non ci spogli! Oh, che meglio cammina, che ha due gambe, di quella che ne ha due. E mi raccomanda la modestia, gli occhi bassi. Ora dovete andare al tempio! Oh, che non fate fare quella qua! Quand tu me parles d'un pont, c'est pierre par pierre que tu le fais. Mais quelle est la pierre qui soutient le pont? Le pont n'est pas soutenu par telle ou telle pierre. Mais par la ligne de l'arc, qu'a elle toute elle forme. Pourquoi me parles-tu des pierres? Seul l'arc m'intéresse. Sans pierre, il n'y a pas d'arc. Il reste une ville dont tu ne parles jamais. Venise. La belle. Chaque fois que je fais la description d'une ville,
Je dis quelque chose de Venise. La Smeraldine, par exemple, ville aquatique. Un réseau de canaux, un réseau de rues se superpose et se recoupe. Hein? Philippe, tu prends plaisir à observer combien sont différents les uns des autres. Les ponts qui enjambent les canaux, au couvert, en dodane, sur pilotis. Et combien de sortes de pavements couvrent le sol. Tu devrais commencer tous tes récits de voyage en commençant par leur point de départ. En décrivant Venise, telle qu'elle est, tout entière, sans rien omettre de ce que tu te rappelles. Les images de la mémoire, une fois fixées par la parole, s'effacent. Peut-être pour Venise, ai-je peur de la perdre tout à fait si j'en parle? Ou peut-être, en parlant d'autres villes, l'ai-je déjà perdu peu à peu? Dans l'existence, il est un moment où de tous ceux qu'on a connus, les morts sont plus nombreux que les vivants. Alors, l'esprit se refuse à accepter de nouvelles physionomies. Mes jours. Je me demande quand tu as pu visiter tous les pays que tu me décris. Il me semble à moi que tu n'as jamais bougé de ce jardin.
Tout ce que je fais, tout ce que je vois, prend son sens dans un espace mental où règne le même calme qu'ici, la même pénombre, le même silence parcouru de bruissements de feuilles. Quand je me concentre pour réfléchir, je me retrouve toujours dans ce jardin en ton auguste compagnie, à remonter des fleuves verts de crocodiles, ou à compter les barils de poissons salés qu'on descend dans la cale. Moi non plus, je ne suis pas sûr d'être ici, à me promener parmi les fontaines de porphyre, écoutant les joujoux, plutôt qu'à cheval, couvert de sueur et de sang à la tête de mon armée, bien encore coupant les doigts des assaillants qui grimpent au mur d'une forteresse affichée. Peut-être, les terrasses de ce jardin me donnent-elles que sur le lac de notre esprit. Et tout au long de nos entreprises, nous gardons cette conversation et ces pauses, ce soir toujours égal. À moins que l'on doive faire l'hypothèse inverse, que ceux qui s'évertuent dans les campagnes et les ports n'existent que parce que nous y pensons. À vrai dire, je n'y pense jamais. Alors il n'existe pas! Cela ne paraît pas être une conjecture raisonnable. Car s'il n'existait pas, nous ne pourrions pas passer notre temps à nous balancer dans le cocon de nos havanes. Alors ce sont eux qui existent, et pas nous. Nous avons démontré que... si nous y étions, nous n'y serions pas. Et de fait, c'est ici que nous sommes. Désormais, je n'ai plus besoin de t'envoyer vers des expéditions lointaines. Mais une chose m'échappe. Si chaque partie que nous disputons me livre une des villes que mon empire possède déjà, quel est le sens d'une victoire ou d'une défaite? Victoire de quoi? Victoire sur quoi? À la place du roi enlevé par la main du vainqueur, il reste un carré noir, blanc. À force de désincarner mes conquêtes, de les réduire à l'essentiel, j'en suis venu à l'opération dernière. La conquête définitive, dont tous les trésors ne sont que les enveloppes illusoires, se réduit à ceci. Un morceau de bois raboté, le néant. Ton échiquier, sire, est une incrustation de deux bois, érable et ébène. Le morceau sur quoi se fixe ton regard illuminé fut taillé dans l'anneau d'un tronc qui s'était développé une année de sécheresse. Observe comment sont disposées les fibres. On distingue là, à peine marqué, un petit nœud. Un jour de printemps précoce, un bourgeon tenta de sortir. Mais la gelée de la nuit le contraignit à y renoncer. Là, un porc, un peu plus gros. Peut-être a-t-il été le nid d'une larve, non d'un ver, qui à peine né aurait continué de creuser. Mais d'une chenille, laquelle grignota les feuilles, et ce fut la raison pour laquelle l'arbre fut choisi pour être abattu. Quand tu retourneras en Occident, répéteras-tu à ton peuple les mêmes récits que tu me fais?
Moi, je parle. Mais celui qui m'écoute ne retient que les paroles qu'il entend. Une chose est la description du monde à laquelle tu prêtes une oreille bienveillante. Une autre, celle qui fera le tour des attroupements de débardeurs et de gondoliers sur les fronts d'Aventin, devant chez moi le jour de mon retour. Une autre encore, celle que je pourrais faire dans mon vieil âge, si je venais d'être fait prisonnier par des pirates génois, et mieux faire dans une cellule, en compagnie d'un auteur de romans d'aventure. Ce qui commande au récit, ce n'est pas la voix, mais l'oreille. Il me semble quelquefois que ta voix m'arrive de loin. Tandis que je reste prisonnier d'un présent tapageur et invisible, dans lequel toutes les formes humaines de la vie en commun sont arrivées à un bout de leur cycle. Et on ne sait quelle forme nouvelle elles vont prendre. Et par ta voix, j'entends les raisons pour lesquelles vivaient les villes. Et pour lesquelles, peut-être bien après leur mort, elles vivront de nouveau. Une ville qui couronne sur trois rives, un long détroit, un golfe mince, une mer intérieure, c'est Constantinople. Deux collines qui se font face, de hauteur inégale, Jérusalem. Samarcande et ses jardins. Grenade, la perle irisée des calices. Lübeck, ce port boréal si propre. Paris, Tombouctou. Cette oasis cachée dans les plis du désert, c'est la ville de Nesta. C'est Murat. Urbino, des prés salés par la marée, broutés par les vaches et les moutons, le Mont Saint-Michel. Cusco, Mexico, Novgorod. Et là, Lhasa, cette toit blanc sur le toit nuageux du monde. Il me semble que tu connais mieux les villes sur la place qu'en les visitant en Perse. En voyageant, on s'aperçoit que les différences s'effacent. Chaque ville en arrive à ressembler à toute autre ville. Les lieux les plus divers échangent forme, ordre, distance. Une informe poussière envahit les continents. Ton atlas, lui, garde intact les différences. Cet assortiment de qualités qui sont comme les lettres d'un nom. Toi qui regardes autour de toi, et qui voit les signes. Tu sauras me dire vers lequel de ces avenirs nous poussent les vents propices. Pour ces ports, je ne saurais pas tracer la route sur les cartes, ni même fixer la date d'accostage. Si je te dis que la ville vers laquelle tend mon voyage est discontinue dans l'espace et dans le temps, tu ne dois pas en conclure qu'il faille renoncer de la chercher. Peut-être, tandis que nous parlons, est-elle en train de naître sur les confins de notre empire? Tout est inutile. Si le dernier accostage ne peut être que la ville infernale, si c'est dans ce fond que sur une spirale toujours plus serrée va finir le courant. L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, il est déjà là. Celui que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il y a deux manières de ne pas en souffrir. La première réussit aisément à la plupart. Accepter l'enfer. En devenir une part, au point de ne plus le voir. La deuxième est risqué et demande un apprentissage et une attention continuelle. Chercher et savoir reconnaître.
Qui? Et quoi? Au milieu de cet enfer, n'est pas l'enfer. Et le faire durer. Et lui faire de la place. Oui, le faire durer. Et lui faire de la place. Oui. Discuter avec nous si vous le souhaitez. Voilà, j'ouvre les fenêtres.